Salut les fidous, salut Lydia. Salut, salut tout le monde. Nous voilà de retour pour une nouvelle recette avec les ingrédients signés Moroil. Aujourd'hui on est avec Christelle, salut Christelle. Salut, salut vous deux. Alors Christelle, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va cuisiner chez toi? Alors aujourd'hui on va faire des pâtes bolognaises. Ouh, des pâtes bolognaises avec notamment les ingrédients ici présents, comme par exemple eh bien l'huile le sieur Isio 4 remplie d'oméga 3, de vitamine D et E, c'est bon pour la santé. On aura aussi évidemment le ketchup signé Le Sieur qu'on a déjà utilisé dans pas mal de recettes so far, mais pas que ça. Non, non, on aura les peeled tomatoes de Amadora. Amadora, toujours. Ensuite, on aura les sweet picante peppers de Pepaju. Oui, absolument. Et le sel et le poivre. Le sel et le poivre de Walker Bay. Pas capable sans le tout Walker Bay. Jamais, toujours avec nous Walker Bay. Et ensuite, l'huile d'olive olive. Magnifique. Alors aujourd'hui on va apprendre à cuisiner ces bolognaises avec Christelle ici présente, avec donc ces ingrédients magnifiques. Christelle, tu connais un peu le concept, il faut nous donner une mission là, il faut nous donner une responsabilité. Je suis prête pour vous. Allez Raël, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors vous devez couper les tomates ici. Ok. Et aussi ça. Couper les sweet picante peppers. Voilà, exactement. Allez, j'ai Raël. Besoin que l'un d'entre vous coupe chacun des ingrédients pour rajouter dans ta préparation. Exactement. Allez, génial, on y va. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je pense que je vais m'occuper des picantes peppers. Ah, Dieu, moi, tu peux dire ça. Parce que mon content pique ça. Non, non, allez, mon coupe tomate. Alors, la raison pour laquelle moi, je suis extra content, me suis picantes peppers de Pepaju, c'est parce que, premièrement, les donne-toi un petit piquant, mais. Alors là, extraordinaire, après tu vas rajouter dans tout ton carré de baguette de man, rougaille de bolognaise. Alors je coupe maintenant les fameuses peeled tomatoes de Amadora. Alors truc sympa à savoir sur les peeled tomatoes d'Amadora, c'est qu'elles sont super juteuses. Et ça c'est toujours sympa de mettre des tomates juteuses dans ton plat. Allez, on passe à la préparation des pâtes maintenant qu'on va mettre dans l'eau bouillante. Ouh là là! Nice. Et là, qu'est-ce que tu vas rajouter dans tes pâtes, Christelle? Je vais rajouter du sel. Okay. Du sel pour que ça soit pas fade, obviously. Bien sûr. Alors, on rajoute le fameux Atlantic Sea Salt de Walker Bay. Exactement. Et puis, je vais ajouter un peu d'olive oil. Ok, de l'huile d'olive. Pourquoi? Ben, déjà, l'huile pour que les pâtes ne collent pas. Ok. Et puis, olive oil, ça donne un petit goût un peu plus raffiné. Ok. Donc, nice. C'est parfait pour ce plat-là. Beauté. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous qui nous regardez, mais l'estomac est ouvert, comment dire. L'appétit est long, comment dire. Alors, Christelle, à ce moment-là, pour cuire nous la viande, là. Allez, qu'est-ce que tu as besoin, là? J'ai besoin de l'huile. Ah, ok. Ah, ça, c'est... Donc ça, c'est l'huile de le sieur. Ok, pourquoi tu utilises cette huile-là? Cette huile-là, à mon humble avis, enfin, ça donne un aspect plus léger à mes recettes. Mm-hmm. Et puis, il y a des vitamines et de l'oméga 3 dedans, que j'aime bien. Marito, allez, je te donne, du coup, la viande. Ah, là, tu peux ajouter le black pepper de Walker Bay. Toujours. Tomatoes de Amadora, hein? Coupé par Vincent, hein? Attention. Là, on va laisser mijoter quelques petites minutes. Alors, tu vas te mettre ketchup de Le Sieur. Et pourquoi le ketchup? Pourquoi ketchup? Ça donne un petit côté tangy, un petit goût, un petit peu à port dans ta bolognaise. Ça, c'est un autre secret de la recette qui, tu vas voir au final, va donner un goût. Un petit goût sucré salé. Voilà, exactement. Lydia. Ça sent extra bon, Christelle. On passe à présent au moment tant attendu. Ah oui. C'est le moment préféré de Lydia. Oui, toujours. le goûtage. On va déguster les fameuses pâtes bolognaises. On va goûter en même temps, il y a des fourchettes. Mais oui, ça coule à nous, ne pas pour la guerre. Attention, c'est parti. Pépadieu. Oh my god. Ce qui est génial, c'est le côté
sweet picante pepper qui est rajouté dans le dans la bolognaise. Donc il y a un petit côté doux, un petit côté piquant. Mm-hmm. Et en même temps, c'est tu sens le ketchup et tout, c'est un mélange de saveurs. On va pleurer. C'est tellement beau que Lydia a même... Eh ben voilà, Lydia voilà. Affiche le menu sur son... Bravo Lydia. Non mais en fait, c'est ça le but. Tellement libre, tu pas gagné les temps, comment dire. Que les courants tiennent paiement. Tout le monde paiement. Eh bien voilà ce qui nous amène à la fin de cet épisode. Merci Christelle. Je vous en prie. Bonne dégustation. Vous pensez nous pour nettoyer ça là hein? Avec plaisir, c'est ce que j'attends. Heureusement. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour découvrir eh bien encore de nouvelles recettes à cuisiner avec des ingrédients de qualité signés Moreuil. Évidemment. D'ici là, n'oubliez pas de rester fou. C'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye. Très bon appétit. Ouais, mais tu peux nettoyer ça. C'est que moi tu peux dire, là, moi, comme ça.